Et bonsoir les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Pick 5 de ce dimanche 16 juin 2019 ainsi que les arrivées Pick 5 de ce samedi 15 juin 2019. Donc toutes les courses se sont ressemblées, chat noir partout, on a un gain sur cette course, bon le rapport est pas trop mal pour le jeu simple mais voilà quoi, c'est pas génial. On passe à côté des Pick 5 sur une course de 1 à 2 chevaux et sur l'autre de 1 cheval. Donc vraiment dégoûté, vraiment déçu de cette journée, donc vivement qu'elle passe, je vais l'effacer de ma mémoire et repartir à zéro dès demain. Donc ensuite, en description sous ma vidéo, donc mon compte Utip, donc n'hésitez pas à y aller, c'est entièrement gratuit. Vous y allez, vous regardez une pub si vous le voulez, deux pubs, trois pubs, quatre pubs, cinq pubs, c'est vous qui voyez. Ça vous prend 20 à 30 secondes de votre temps par jour, donc n'hésitez pas à le faire. Franchement, c'est rien du tout. Voilà, mais pour moi, c'est énorme. Ça me montre votre soutien à la chaîne. Donc, on y va pour le pronostic Pick 5 de ce dimanche 16 juin 2019. Mais on commence par les arrivées d'aujourd'hui, samedi. Donc, on y va pour la première course, qui est pour le premier Pick 5, qui était la R3C9, qui se déroulait à 16h07 à Maison Lafitte, c'était le prix Carvin, c'était du plat sur 1600 mètres, il y avait 16 partants. Donc l'arrivée le 8, 12, 1, 4 et 6. Donc on fait un 3 sur 5 sans mon regret. Un 4 sur 5 avec, mon regret est quand même placé encore 5e. Voilà, donc on fait un 4 sur 5 avec lui. Le rapport Pick 5 était de 168,60 en ligne, bien entendu. Voilà. Donc, les rapports papier, je ne les ai pas mis. Pour ceux qui du deuxième Pick 5, c'était la R1C7 à 17h35 à Ingen. C'était le prix des Invalides, c'était de l'atelier sur 2875 mètres et il y avait 18 partants. Donc, l'arrivée le 13, le 10, le 7, le 11 et le 4. Donc, on fait un 4 sur 5 sur cette course-là. Malheureusement, il nous manque un cheval. C'est vraiment dommage. Franchement, sinon vous verrez le rapport, il est pas mal du tout si je l'avais mis. Donc on fait un 4 sur 5 pour ce Pick 5 là. On a mon favori qui rentre deuxième tout de même. Il se place donc et fait 3,50 placé. Donc bon rapport je trouve sur la course. On a donc le rapport Pick 5 de cette course là en ligne bien entendu est de 2022,30 pour ceux qui l'ont remporté. On va passer directement au pronostic Pick 5 de ce dimanche 16 juin 2019. Donc on va commencer avec le premier Pick 5 qui sera la R4C8 à 16h25 à Cherbourg. C'est le Grand Prix Cocktail Jet. C'est de l'atelier sur 2625 mètres. Il y aura 14 partants. Donc mon pronostic Pick 5 est le 9, 7, 12, 6, 5, 8, 14, 4 et en regret le 1. Donc mon jeu simple et mon favori sera le 9 pour cette course-là. Voilà, lorsque je dis mon favori, mon jeu simple, c'est que je le joue en jeu simple, c'est le premier cheval de mon prono, donc le 9 à l'occurrence. Pour ce qui est du deuxième Pick 5, ce sera la R1C5 à 16h50 à Chantilly, c'est du plat sur 2000 mètres, il y aura 15 partants. Le pronostic Pick 5 est le 1, 4, 10, 2, 3, 12, 9, 14 et en regret le 7. Donc mon favori, mon jeu simple sera le 1 pour cette course-là. Voilà. Donc sur ce, ben écoutez, je vous laisse. Pensez à aller voir mon lien en description. N'hésitez pas, c'est entièrement gratuit. Vous regardez une pub, deux pubs, trois pubs, quatre pubs, cinq pubs. C'est vous qui le choisissez. C'est entièrement gratuit pour vous. C'est pas grand-chose dans le temps imparti par jour. C'est toutes les 24 heures. Vous pouvez regarder jusqu'à 5 pubs par jour. Mais pour moi, c'est énorme, donc n'hésitez pas à le faire. Ça augmente votre soutien. On est déjà 28 abonnés, donc n'hésitez pas à y aller. Donc n'hésitez pas à liker, à partager à masse mes vidéos, ainsi que les pronos et la page YouTube. Commentez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à demain. Allez, ciao, ciao, bonne soirée tout le monde. Moi, je vais me coucher.